Merci d'être au rendez-vous du journal sur la télévision Labari. Mais avant son développement, voyons les titres. La politique nationale de modernisation de l'État bientôt opérationnelle. L'étude d'élaboration de son plan d'action a été lancée ce matin au palais de congrès de Niamey. La coopération entre la FIFA et la Fédération nigérienne de football bénéfique s'enrichit d'un nouveau palier. Les deux parties ont signé hier à Niamey une convention dite Goal 5 qui vise la construction de l'hôtel du centre technique de la Fenifoot. Voilà donc pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue à toutes et à tous. Le Haut Commissariat à la modernisation de l'État s'active à rendre opérationnelle la politique nationale de la modernisation de l'État. Elle passe par l'étude de l'élaboration de son plan d'action qui a été lancé ce matin au palais du congrès de Niamey. Harriata Salah et Chebou Guiso nous en disent beaucoup plus. Cette cérémonie consacre le lancement de l'étude de l'élaboration du plan d'action de la politique nationale de modernisation de l'État, une étude qui sera réalisée par Europe Limited, un cabinet de conseil international européen privé, avec l'appui de deux consultants nationaux. Financée par l'Union européenne, l'élaboration de ce plan d'action permettra de rendre opérationnel la politique nationale de modernisation de l'État adoptée depuis juillet 2013. Le plaidoyer entrepris par notre institution, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, a permis d'intéresser certains partenaires, dont la délégation de l'Union européenne, qui a accepté de soutenir le processus, notamment en finançant la mission devant aider à décliner le plan d'action de cette politique. L'exercice de planification auquel nous invite cette mission devrait nous permettre de fixer le décor de façon itérative, en précisant les différentes actions prévues, en les logeant dans des indications temporaires avec une priorisation et un costing précis, et ce, par axe. Un comité de suivi de l'étude a été aussi installé pour un travail de qualité. Le haut commissaire à la modernisation de l'État a invité tous les acteurs concernés à accorder leur violon pour la confection de ce précieux outil. Les axes couverts par la politique nationale de modernisation de l'État et le plan d'action qui en découlera sont d'une telle importance que la solennité recommande que je saisisse la présente opportunité pour évidemment installer le comité de suivi de l'étude, qui va être présidé par le conseil technique du haut-commissaire, le ministre Mamane Ousmane. Mais surtout, d'inviter l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire vous tous, à faire du suivi de ce processus une préoccupation du quotidien. C'est dire, à compter de cet instant, j'invite au nom de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Birgit Rafini, tous nos concitoyens, où qu'ils se trouvent, à faire en sorte que cet outil, que la politique nationale de modernisation de l'État, y compris dans sa déclinaison de plan d'action, soit celle qui permettra à notre pays d'engager les actions pertinentes devant contribuer à améliorer la gouvernance. La mission commanditée par nos soins pour décliner le plan d'action de la politique sollicitera certainement vos structures. Je vous prie de bien vouloir leur accorder toute l'attention et les facilités requises pour cet exercice dont l'importance n'est plus à démontrer. La politique nationale de modernisation de l'État est un instrument de travail qui permettra de focaliser les réformes de l'État sur l'accroissement de la qualité et de l'accessibilité des services publics offerts aux citoyens par l'État dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. Lancement officiel hier de la Young African Leaders Initiative au Centre culturel américain. 6 jeunes Nigériens parmi 500 Africains sélectionnés participent à ce programme annuel. Tous les sélectionnés sont présentement aux États-Unis où ils seront à rencontrer et à échanger avec le président Barack Obama, nous rapporte Youssouf Omar.
Désormais, chaque année, 500 Africains porteurs de grandes idées et ou de grands projets sont conviés aux États-Unis d'Amérique pour assister à Young African Leader Initiative, YALI. À cette rencontre qui dure 6 semaines, les jeunes sélectionnés ont l'honneur et le privilège d'échanger avec le président des USC, Barack Obama, initiateur du programme. Ils échangent sur des sujets brûlants tels que l'économie, le développement et l'entrepreneuriat. Cette année, 6 jeunes Nigériens ont rejoint les centaines de jeunes acceptés au programme. C'est un programme qui tient à former ces jeunes pour qu'ils soient les leaders de demain, pour qu'ils soient le point de développement du futur de l'Afrique. Les boursiers sélectionnés de chaque pays se retrouvent à Washington pour une durée de 6 semaines. Et pendant ces 6 semaines, ils prennent des cours académiques dans les 20 meilleures universités des États-Unis et suivent à travers cela une formation. Et cette formation est dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le domaine du service communautaire, ça peut être dans le domaine des affaires et de l'entrepreneuriat, ce qui fait qu'à la fin de cette formation, ces jeunes reviennent avec des idées concrètes, des idées qu'ils peuvent implémenter directement au pays, mais ils auront besoin de soutien non seulement du gouvernement, mais aussi de la jeunesse en général pour pouvoir réaliser ces différentes entreprises. Ali Omarou, ancien sélectionné de 2010, nous fait part de ce qui s'est passé lors de sa visite aux USC. J'ai été en Caroline du Nord et en tant que promoteur d'une ONG de prévention des accidents de la circulation routière, d'abord force est de constater que les Américains ignorent aujourd'hui que les accidents font plus de tués que le VIH-Sida, que le paludisme. Donc c'était une expérience nouvelle pour elle et dès lors, beaucoup d'institutions, en tout cas de partenaires américains, nous accompagnent dans ce processus. Nous avons implanté plusieurs structures qui interviennent dans le domaine, en tout cas sur le continent africain. Les jeunes doivent cette bourse à l'icône sud-africaine Mandela. C'est pour lui rendre un hommage que le programme a vu le jour. Dans notre volet reportage, nos reporters Ibrahim Abdou et Dantofo Nasser sont allés caméra à l'épaule au quartier Rodésie sur la route de l'aéroport international Djori Amani de Niamey afin d'immortaliser le courage des femmes vendeuses de gravier. Voyons-les à l'œuvre sur leurs frêles épaules. Elles portent, c'est certain, un des symboles de la lutte contre la pauvreté au Niger. Voyons cela de plus près. N'ayant aucune activité génératrice de revenus, ces femmes munies de râteaux, de pioches, balais et tamis prennent chaque matin d'assaut ce terrain de Rodésie situé non loin de l'aéroport. Elles creusent, balayent à la longueur de la journée pour avoir le maximum du gravier à vendre afin de satisfaire leurs besoins quotidiens. Ces femmes viennent de plusieurs contrées. Wallahi man fur kala talkadamna kwara amma hun kun kai il katande gamay. Ici, il y a ceux qui viennent de Salkadamna, le Zermaganda, Tondegame. Mais moi, je viens de Gessalboudi et j'ai un mois ici. Moi, je viens de Kwanabiri. Je suis là depuis que ma fille l'a née. Un travail pas du tout facile pour des femmes âgées, mais il faut survivre. Et ces femmes tirent tant bien que mal leur épingle du jet. Quand tu te mets, tu peux avoir une boulette par jour et on la vend à 1000 francs. Et si c'est le tas, c'est 3 000, 3 500, voire 5 000. Quand on vend, on arrive à satisfaire nos besoins. J'arrive parfois à vendre pour 4 500 voire même 5 000 francs par jour. Le politique doit avoir un œil regardant sur ces braves femmes, en les créant des conditions de vie plus acceptables, les initier aux activités génératrices de revenus. Et en plateau Nasser, nous ne sommes qu'admiratifs. La consommation du thé par les jeunes, elle ne connaît pas de baisse, loin s'en faut. Elle s'enracine chaque jour un peu plus dans nos mœurs, surtout en cette période de grandes vacances. Le thé utile pour la santé, nous rapporte Biba Dangoringo. Comment cela? Nous avons bien envie de savoir.
De nos jours, le thé est beaucoup consommé, notamment par les jeunes, surtout en cette période de grandes vacances, où les fadas connaissent de grandes animations. Cette boisson, qui est utile pour la santé humaine, fait la fierté des consommateurs et des commerçants dont les chiffres d'affaires s'améliorent avec la vente du thé. Je suis vendeur et consommateur de thé. Les gens viennent en payer davantage et tu peux en trouver à un prix très abordable. C'est juste une habitude. On a l'habitude de prendre ça au moment qu'on prépare nos examens. Donc c'est l'habitude qui nous a suivis. Jusqu'à présent, on continue à apprendre. Mais ce qui est sûr, si moi je prends du thé, souvent je ne dis pas tout le temps, souvent je sens un peu du réconfort, je sens de la force. Mais je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est juste quelque chose que je sens en moi quand je prends du thé, surtout le premier verre. Je sens comme si j'ai un peu pris de l'énergie et que ça me donne de la vitalité. Je ne suis pas trop accro, mais de temps en temps maintenant avec l'habitude, moi-même, je le pose et je le prends. Ça me fait du plaisir le matin quand je prends ça. Je consomme beaucoup de thé, vraiment. Si je ne prends pas cette boisson, je ne me sens pas encore. Deux verres de thé par jour, ça me va. Cependant, le thé ne doit pas être pris n'importe comment et par n'importe qui. D'où ces conseils du docteur Maman Hima. Le thé, d'abord, c'est la boisson la plus consommée par les hommes après l'eau. Le thé contient plusieurs substances qui sont assez bénéfiques pour l'organisme. Il y a d'abord la théophylline qui permet une dilatation des bronches, donc qui va permettre une bonne respiration. Nous avons des antioxydants, notamment des flavonoïdes, qui ont un rôle protecteur sur tous ceux qui sont artères et veines. Donc ça peut permettre de prévenir les accidents vasculaires cérébraux et ça peut renforcer la circulation sanguine. Le thé aussi, il stimule le système nerveux central, puisqu'il accroît la vigilance, puisqu'il contient beaucoup de caféine, beaucoup plus de caféine que le café même. Donc, action sur le système nerveux central, vigilance, action sur le bronche, avec la facilité de permettre une bonne oxygénation, une bonne respiration, et apport de flavonoïdes, qui joue un rôle protecteur dans la prévention des accidents cardiovasculaires. Malheureusement, les gens consomment le thé avec du sucre. Donc, l'augmentation de la consommation de sucre peut favoriser beaucoup de maladies qui sont liées à une augmentation du taux de sucre dans l'organisme. Notamment, ça peut favoriser l'apparition de diabète, premièrement. Et deuxièmement, justement, cette hyperconsommation de sucre, là aussi, peut entraîner aussi une forme de perte d'appétit. Maintenant, chez les femmes, surtout enceintes, la consommation de thé n'est pas très indiquée puisque ça va permettre une précipitation du fer. Donc, ça ne va pas permettre à l'organisme d'assimiler du fer. Autre chose qu'on peut dire toujours dans le thé, pour ceux qui ont vraiment des problèmes rénaux, genre une insuffisance rénale, ce n'est pas bon de consommer du thé parce que ça permet l'élaboration ou la production par l'organisme de certaines substances que nous appelons des oxalates. Alors, consommateurs du thé, vous êtes prévenus. Prenez du thé avec modération et surtout pas trop sucré pour préserver votre santé. Venons-en au sport. À travers une convention, en effet, dite Gold 5, signée hier mercredi 30 juillet, la FIFA et la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, renforcent et affinent leur coopération. À l'occasion, un hôtel du centre technique verra bientôt le jour dans la droite ligne du développement du football au Niger. Nafis Azakou, Ibrahim Abdou. Cette signature de convention du Gold 5 qui consiste à la construction de l'hôtel du centre technique de la Fédération nigérienne de football entre cette dernière et la FIFA vise à améliorer les conditions d'hébergement des joueurs nigériens. À travers la construction et l'équipement de cet hôtel, la FENIFOOT vise à réduire considérablement les charges en matière d'hébergement des athlètes et offrir par la même occasion les meilleures conditions de regroupement et d'entraînement des équipes nationales en préparation. Sachez que les fonds
qui y sont déjà investis sont considérables et à terme, cet hôtel comprendra 32 chambres, dont 8 chambres simples, 12 doubles et 12 bungalows constitués de 4 à 2 pièces pour 8 personnes et 4 suites. Le tout équipé et pourvu de toutes les commodités d'accueil. La FIFA, partenaire clé de la FENIFOOT, par la voix de son représentant, s'est dit prêt à aider toujours le Niger à créer les conditions d'épanouissement des joueurs. Nous constatons que le Niger est l'un de ces pays qui sort ses tripes pour pouvoir bien travailler. Aussi, nous sommes disposés à les aider. C'est la raison pour laquelle le Niger a demandé un cinquième projet Goal et que la FIFA a accepté et donné ce cinquième projet Goal. Donc, au lieu de donner le cinquième projet Goal qui vaut 500 000 dollars, bon, cet argent va directement dans les mains de l'entreprise et du consultant. Ça, il faut l'entendre parce que souvent, on accuse les associations de prendre cet argent pour faire ce qu'ils veulent avec. Non, cet argent va dans les mains de l'entrepreneur et le consultant. Cette signature de contrat entre la FENIFOOT et la FIFA ne laisse pas indifférent le directeur général des sports qui se réjouit. La signature de cette convention vient réellement à point nommé puisqu'elle permettra le parachèvement des travaux au niveau donc de l'hôtel Cise au sein du centre technique de football. Un centre technique de football qui constitue aujourd'hui une référence et une fierté pour le Niger en tout cas, une référence dans l'Afrique subsaharienne et qui va être encore peaufiné, n'est-ce pas, à travers donc les travaux qui vont être entrepris sous peu. Cette cérémonie a été rehaussée par une présentation sur carte des différents services qui composent ce hôtel. Continuons à parler sport avec le Tonsimine Ball. Tonsimine Ball, pardonnez-moi, je le découvre en même temps que vous. C'est la nouvelle, en tout cas c'est la nouvelle discipline sportive inventée par un Béninois et dont la pratique se fait déjà au Niger. Son inventeur, en effet, a posé ses valises à Niamey il y a peu. Et déjà, des jeunes filles et garçons s'adonnent à ce sport sur le terrain du complexe Issaka Dabore, ici Mama Niamey. Hassan Saleh Mustapha, manifestement conquis, nous en parle avec force détail. Nous l'écoutons. Une nouvelle discipline sportive est pratiquée au Niger pour la première fois. C'est Tonsimine Ball qui se joue en équipe de 5. C'est une initiative d'un Béninois. Tonsimine Ball, créé au Bénin en 2004, est en train de se développer dans les autres pays de l'espace Imoa. Son promoteur Dominique Kojo est au Niger pour former les Nigériens. C'est une discipline qui est née après 6 ans de recherche et dont la promotion a commencé depuis 2004 au Bénin. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers d'autres pays parce que nous avons pensé maintenant qu'il faudrait que l'Afrique maintenant commence par profiter de l'existence de sa discipline sportive. Alors, nous sommes au Niger et nous sommes en train de préparer une équipe. C'est la raison pour laquelle nous sommes en tournée dans la sous-région. Après le Niger, nous allons monter sur le Burkina Faso et après maintenant aller au Mali et la Guinée équatoriale. Pour jouer Tonsimine Ball, le principe est simple. Mais le principe du jeu est que l'équipe qui détient la balle plus la lancer dans le camp adverse pour surprendre l'adversaire et en faire un prisonnier. Et pour en faire un prisonnier, il faut que la balle touche tout ce qui concerne la tête, la poitrine et le ventre et retombe par terre pour que le but soit homologué. Les Nigériens ont bien accueilli cette nouvelle discipline sportive. Ça nous fait plaisir que ce sport-là, dans un premier temps, soit créé par un Africain. Et c'est ça qui fait aujourd'hui notre joie. Et c'est à cause de ça qu'on n'a même pas hésité à se lancer dans cette discipline. Surtout que le Niger est maintenant désormais connu sur le plan sportif.
nationale et internationale. Moi, l'appel que j'ai à lancer à l'endroit des jeunes, surtout de Niamey, comme présentement celui que vous avez en face de vous, je suis l'entraîneur national. Et donc à ce titre-là, j'invite les jeunes de 17 ans au plus de s'intéresser à ce sport. Pour faire découvrir davantage aux Africains et au monde entier cette discipline sportive dont s'émine balle, un tournoi est prévu en septembre prochain à Cotonou, au Bénin. Immortel. Fin de ce journal, merci de votre fidélité et continuez à nous suivre. Nous vous devons le meilleur. Au revoir.